Et puis on parle également vie des entreprises. Ici à Satram, c'est le mouvement d'humeur des agents de Libreville et Port-Gentil à l'origine de cette montée au créneau, le non-paiement des salaires depuis plusieurs mois. Yves Oyono et Francis Banza ont regardé la situation pour nous. À Port-Gentil et Libreville, la tristesse hante l'environnement professionnel des agents de Satram. L'automne monte, leur colère est vive. L'activité est bloquée, les salaires sont bloqués. Les gens meurent. Arriérés de salaire, vétusté du matériel d'exploitation, parking automobile réduit et un ralentissement de l'activité. Satram agonise. Ça nous fait 11 à 12 mois de salaire impayé. Les travailleurs soutiennent l'action du syndic pour un redressement rapide d'une situation triste et déplorable. Satram connaît une dette de 200 milliards et des arriérés de salaire de 11 millions. Si à Port-Gentil, le cas Satram interpelle plus d'un, à Ovendo, le constat est le même. 12 mois sans salaire, des foyers brisés, des sans-abri, pire, des décès. Nous devenons des mendiants. Certains de nos collègues sont décédés. Certaines familles sont cassées. Certains ont été sortis de leur maison. La traversée du désert est rude. La société Satram a été placée en redressement. Pourquoi ? Pour mauvaise gestion. Depuis 2015, date du décès du fondateur de Satram, plus rien n'est pareil. Le navire a pris de l'eau. Ces images sont le reflet de l'état de la situation. Mais certains, nos anciens responsables du directoire, continuent à se prévaloir de fonctions qu'ils n'ont plus. Ces agents craignent le pire. Nous soutenons et nous aidons Maître Edo pour le redressement de notre société. Le redressement judiciaire suit son cours depuis février 2018. Et ces hommes et femmes restent inquiets pour leurs emplois dans une ambiance de stress permanent.